Somme genre éternel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iFaction, les amis. Ma première admin série. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on va trouver des gens assez rigolo à ban. Donc comment ça va fonctionner cette série là, c'est qu'il y en aura sûrement un par semaine. Durant toute la semaine, je vais contacter les meilleurs virifs. Je vais tout le temps rec les virifs dans le fond. Puis moi je vais garder juste les plus drôles, les meilleurs, etc. Ce sera pas tout le temps des virifs. Des fois la personne va direct assumer, on va juste lui faire faire un petit défi ou quoi que ce soit. Si elle réussit le défi, on va la laisser en vie ou quoi que ce soit. On va laisser le choix à vous les amis de bannir ou non. Donc qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans la description en ce moment il y a un straw poll en fait, et vous devez voter si vous voulez dans le fond qu'il soit banni ou non. Donc par exemple ça va être son... il y aura plusieurs straw polls avec plusieurs personnes. Si on trouve 3 gars à bannir aujourd'hui, l'épisode devrait être d'environ 8 minutes, pas plus. Je veux pas qu'elle soit trop long à regarder. Puis c'est vous qui prenez la décision dans la description si on devrait le bannir ou non. Ce que je veux dire, c'est que il va être banni jusqu'à temps que vous répondez correctement au sondage jusqu'à l'autre épisode d'après. Donc exemple, cet épisode sort ici le lundi, jusqu'à l'autre lundi. Là il va être en ban si vous décidez ou non. Vous voyez ce que je veux dire, il va être quand même banni une semaine pour avoir cheaté. Mais s'il refuse le défi, par exemple, je donne un exemple, ok. Les trois aujourd'hui, ils font pas les défis, ils réussissent pas les défis que je leur donne avec LP ou les autres modérateurs qui vont être dans la série. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que dans le fond, ils vont juste être bannis définitivement ou bannis le nombre de temps qu'ils devraient être bannis. Par exemple, un X-ray c'est banni qu'à genre 14 jours s'il assume ou 30 jours s'il assume pas. Ben là, si lui il réussit pas le défi, il va être banni à vie, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est quand même assez chaud, je vous conseille de pas venir chier sur le serveur. Et puis voilà, je pense que ça pourrait vous faire plaisir, en espérant, puis bon, j'espère qu'on va trouver des bons cheaters aujourd'hui. So voilà, à tout de suite les amis, je vous retrouve pour essayer de bannir les mauvais joueurs, à tout de suite. Je pense que j'ai trouvé un extrayeur, les gars, il mine fucking bizarre. Genre, puis en plus, dans la zone où ce qu'on est en ce moment, il n'y a pas de diamant par au-dessus de la lave, so il va jamais, regarde, genre là, il va par là, mais il va jamais complètement check l'on dirait qu'il regarde à terre, genre. Check l'on dirait qu'il regarde par en bas, genre. C'est bizarre. Là, il sait qu'il y a du diamant par là, s'il extrait. So, il va sûrement aller par là, genre ici. Puis aller miner tout droit par là. So, on va voir s'il va extraire ou pas. Parce que, check, regardez, je vais vous montrer son inventaire, dans le fond. Check, il y a juste du diamant. Puis du coal, puis de la cobble, puis genre deux pioches. C'est quand même assez bizarre. Mais bon, on verra bien qu'est-ce qui arrivera. Peut-être qu'il cheat pas, hein. Peut-être qu'il cheat pas. On sait jamais, Chris, là. Pas juger quelqu'un comme ça. Mais regardez, le diamant, il est là. C'est quand même assez obvious. Okay, il a pas pris de la pièce qui est au-dessus. Il s'en vient ici. Là, il voit qu'il n'y a rien. Oh, il y a du diamant juste là en dessous. C'est ce qu'il va le récupérer. Non. So, peut-être qu'il cheat pas, les amis. On va quand même essayer de voir. Je vais essayer de le surveiller un peu plus, mais je pense pas qu'il cheat, ce joueur-là. A tout de suite. Ouais, finalement, le joueur il était clean, les amis. So, oh mon dieu, je viens de TP à eux en fait. Ils ont quand même une bonne grosse farm de commencer. Donc, ouais, le joueur était clean en fait. Il a pas trouvé les diamants qui étaient sous lui. Il en a trouvé seulement un qui était sur le bord d'une grotte. Fait que, genre, il a pas extrait. Je me suis trompé. Donc, je vous retrouve pour une autre personne à tout de suite. Ok, je pense que j'ai trouvé une base dans le fond, les gars. Esti, checkez-moi ça. J'ai fait le bal top 1. C'est le premier gars du bal top. Check ça. C'est des machines à fucking melon automatique. Calice. Ok, je descends plus bas. C'est tout ça, c'est des machines. Là, ils prennent les récoltes en bas ici, sûrement. What the fuck? Où c'est qu'ils prennent les récoltes? Je comprends pas. Comment ça marche? Les récoltes, ils s'en vont dans l'eau. Ok, mais après ça, ils s'en vont où? En bas ici, puis ils se promènent en bas. Oh non, il y a des coffres ici. Puis si on regarde, les coffres, ils doivent être plus full. Oh my god, ok. Fucking bizarre. Ils ont quoi? Champ de verrue semi-automatique. Ok. Ils ont quoi ici? Patate, carotte automatique. Florentin, il est là. Ça, c'est sa base, j'imagine. Oh my god, man. Il y en a qui se font pas chier, hein. Ok, le gars, il était direct en devant moi. Puis il y a déco, genre. Il est en train de miner de même, randomly. Puis c'est déco. Est-ce que je devrais le ban? Je pense qu'il extrait, genre, mais genre, il y a des coups, genre. T'as vu son inventaire ou pas avec. Ouais, il y avait fuck all, mais genre, il s'est en allé directement sur le diamant, puis il a pété le diamant avec une pioche en pierre. Genre, je sais pas, c'est bizarre, en tout cas, c'est pas. Yo, what's up? LP, il a trouvé un cheater, les gars. À ce qui paraît, il cheat. Genre, check comment il a miné. On va le regarder après, là. Il y a Xil à l'avant, en plus. J'essaie un peu de miner le diamant, là, mais bon. Help. Oh my god, dis à Zinda de rien faire, move, Zinda, dis de rien faire, on va le troll, je suis en train de rec pour ma admin série. User was moved to your... Hey Zinda, Zinda, ouais ouais, serait... mais virif le pas ou quoi? Fais rien, ok? On troll, ok?
Xenla, t'es pas en vanish, gros. Non, Xenla, t'es pas en vanish. Oui, t'es en vanish. Regarde ça, il monte jusqu'au diam, esti. Il monte jusqu'au diam. Yes, you can. Oh my god. Attends, on le verrait, ok. Comment t'as trouvé ce diamant? Le meilleur erreur. Tu peux venir TS s'il vous plaît? TS.ifactionz.ca. Tu as 3 minutes, sinon bam. Je pense qu'il comprend pas. Bon les gars, je vous reprends quand il vient sur le TeamSpeak. What the fuck? À ce qui paraît, il y a... il y a Maurice qui speedhack. Je pense pas que ce soit vrai, là. On sait jamais. On va freeze. On va lui dire de venir sur TeamSpeak. Dis-lui de venir sur TeamSpeak. Maurice vient sur TS, s'il vous plaît. On va voir s'il a un cheat. Je pense pas qu'il cheat, ça devait juste être un bug d'affichage. Voilà, on sait jamais, genre de l'internet. Quand il va arriver sur le TPP, on va lui demander s'il cheat, on va faire une petite vérification. S'il accepte la vérification, on va faire un petit défi. À tout de suite. Yop les gars, donc j'ai viré le gars. Il y avait pas de speed hack, mais j'ai trouvé un métro, des affaires de métro dans son dossier Minecraft. Viens ici, Moré. Hey. Viens ici. Non. Viens ici. Monte en haut. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une partie de tic-tac-toe. Puis comment ça va fonctionner? C'est que c'est le premier qui gagne 3 parties de suite. Il va gagner. Sauf si il gagne. Viens-t'en. Joue. Sois gentil, là. Fais pas le gamin. Viens, monte en haut. Sinon, je te banne direct, quoi. Donc, voilà. Donc, on va faire une partie de tic-tac-toe. Moi, je vais être les roses. Et lui, il va être les oranges. Et puis, c'est le premier qui gagne 3 parties de tic-tac-toe. Donc, je te laisse placer le premier bloc. Tu dois placer les blocs oranges, bien sûr. Fais pas le gamin rien, là. Mets les blocs oranges. Ok, je suis pas bon au tic-tac-toe, fait que t'es vraiment chanceux, je suis vraiment pas bon au tic-tac-toe. Hein. Tu vas mettre où ton bloc? Réfléchis là, ton ban est sur la ligne mon pote. J'aime bien la stratégie en vrai, pas pire. Ça se peut qu'il y ait pas mal de matchs parce que vous savez, on peut faire les matchs nuls aussi sur ce magnifique jeu là. Il prend son temps, les gars. Il joue son ban. On va commenter la partie un peu. Il joue son ban, les amis. Il sait qu'il faut pas qu'il fasse. Il a pas le droit à l'erreur, quoi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est clic droit pour poser un bloc, si jamais. Hein. Juste au cas où t'as oublié. Il nous entend. Il sort une pique, les amis. Il y a juste pas de micro. Je voulais pas qu'il y ait personne qui parle durant la vidéo. Excusez pour mon téléphone. C'est Gummy qui m'envoie des messages, des SMS. So, let's go, mec. J'ai pas toute la soirée non plus. Ok, good. Bonne décision. Je pense que ça va être une partie nulle pour être franc avec toi. Je vais mettre ça là au cas où. Ça va être une partie nulle. Tu peux jouer tes trucs. Je pense pas qu'il y aura de gagnant. Voilà, c'est une partie nulle. Mets pas ton bloc. C'est rien, partie nulle. Let's go. Fait que commence, mets le premier bloc. C'est le premier à 3 victoires, oubliez pas. Ok, comme ça. Ça se peut que ça soit long, les gars. Ok, comme ça. Je pense que ça va être nul. Normalement, ça va être nul encore. Oh, voilà. Et c'est nul encore. Parfait, let's go. Ok, je vais placer en premier, let's go. Attends, j'arrive. Ouf, j'ai pas le choix de mettre là. J'allais faire une erreur puis mettre là haut. Là, attendez. Comme ça. Asti, ça va jamais se finir ces petites parties là. Let's go. On recommence. Let's go. Je place en premier. D'accord. Prochaine game. C'est juste une game, le gros. T'inquiète pas. Tu vas y arriver. Gagne juste une game parce que de toute façon, faut que j'aille manger. Je sais que j'ai presque gagné. J'ai juste fait de la merde en fait. C'est pas grave. Faut pas le dire. Chut. Je suis pas bon à ces genres de jeux là, je te l'ai dit.
Attends. Ok. Ah oui, c'est bon. T'es coincé. Ah! Rip, bah allez, mets ton bloc. Peu importe ce que tu le mets, j'ai gagné ici. So, 1-0 pour moi. On va dire que c'est un best of 3. Ça te va, le best of 3. Là, il faut que tu gagnes les deux prochaines. Let's go. Oh my god, ils viennent de me faire la même affaire. GG. 1-1. Let's go. Tac. Ils vont me faire la même affaire, je le sens. Ah, sti de tabarnak, je m'en attendais encore, sti en plus. Calice de sti, ok. Faut pas que je me fasse bait. Ok. Tac. Okay, what the fuck? Ok, non, je peux pas me faire bait, là. Ouf. C'était serré là-dessus. T'as quand même eu chaud. Let's go là. Puis laisse une partie nulle. Let's go, commence. Oh my god. Il en reste deux à une à win, les gars. Oh non! Voilà, tiens. Partie nulle. Tabarnak. Let's go. Là. Calice, encore nul, tabarnak! On en a pour 10 ans. On en a pour 10 ans. Let's go, on a quoi? Oh, c'est bon, c'est nul. Let's go. Je vais partir en premier, let's go. Ok. À moi, let's go. Bien joué, bien joué. Et puis bien joué. Ok, let's go. Place en premier. Oh my god, c'est compliqué quand même. Je pensais pas que ça allait être aussi. Serré. Oh non! Oh my god, je pensais que c'était une pierre. J'étais genre, what? No! Je pense encore nul. Oh, je me fais spam de SMS. Holy fuck, j'ai en internet. Cette partie est une partie très intense aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oh mon dieu, qu'est-ce qui va arriver? Où c'est que tu mets ton bloc? Stop faire des pénis. C'est toi qui fais les pénis, esti. Let's go, boy. Mets ton bloc. T'as-tu plus de bloc? Ah, okay. Là, puis là, toi tu mets dans le coin ici, puis c'est parti nul. Malheureusement, let's go. Je te laisse placer le premier bloc. Ça va se finir un moment donné. Quelqu'un, un ou deux, va faire. C'est le premier qui fait l'erreur. Fait que si je fais une erreur, tu gagnes. Sinon, on joue encore. Je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu-là. Oh non, là. What the fuck. J'allais poser dans le coin en plus. Nul. Let's go, commence. Tac. Oh my god, j'ai en internet. Je stresse un peu. Là. Prends son temps pour jouer ses pions. Oh non! Ah, oh, GG, man, t'as gagné. Ok. So, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je vais pas te bannir maintenant. Les gens vont juger si ça vaut la peine que je te bannisse dans un Stropole dans les commentaires. Donc, en gros, les amis, il y avait pas de cheat sur lui. Donc, je vous rappelle, il y avait pas de cheat sur lui. Il y avait juste des cheats. Il y avait juste Metro, etc. sur son bureau. So, est-ce qu'il mérite d'être ban quand même, oui ou non? Jusqu'à la prochaine vidéo, les amis, il va être en vie sur le serveur. Puis, en espérant qu'il cheat pas, ou plus. Du moins, qu'il utilise plus son Metro ou quoi que ce soit. Il les a supprimés devant moi, les amis, sauf que je sais qu'il peut plus les utiliser. Ça, au moins, c'est une bonne chose. Fait que voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si c'est que n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Je sais qu'elle est un petit peu longue, mais bon, c'est pas tellement grave. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle anime de série. Salut!